Farhan Massaoudi, directeur commercial VI, véhicule industriel et véhicule utilitaire Mercedes-Benz. Le moteur, la Tunisie. Donc on représente la marque Mercedes Futons depuis plus que 60 ans. Le constructeur a un de plus que 130 ans d'activité. L'événement interne, c'est pour présenter l'un des produits fascinants chez Mercedes-Benz, c'est le Z-Tross, qui est un produit qui était destiné pour l'usage militaire. Donc ça fait à mine presque, Mercedes l'a autorisé pour l'utilisation commerciale. C'est un usage tout terrain, donc 6-6, 4-4. C'est pour Sahara, Jbal, Oued, c'est partout, c'est tout terrain. Et le transport, c'est tout produit. Donc l'événement, c'est de lancer ce produit Fitounes. J'ai mis un véhicule pour démonstration. Inch'Allah, la commercialisation est en 2017. Le prix n'est pas encore mal état fixé. Khatar la fin des configurations, mais nous sommes en étude technique mal constructeur. On a voulu vous présenter toute la gamme Mercedes commercialisée, qui est essentiellement la gamme Actros, tracteur, porteur 6-4, 8-4, 4-2. Nous avons le col des véhicules commercialisés Futons. L'Actros, oui, c'est un véhicule qui est vendu depuis un bon moment. Donc on a étudié depuis 3 ans pour lancer de nouvelles configurations depuis 3 ans. Kaber n'a fait le gamme, Zed n'a des gammes, Zed n'a fait configuration. Mais le Z-Tross, c'est un véhicule un peu spécifique et pour des niches bien déterminées. Ça ne va pas être le volume de l'Actros, mais Mercedes avec les métiers. Donc elle s'adapte aux besoins du client. Donc le Z-Tross, c'est un besoin qui a été créé par quelques niches. Les carriéristes, je mets à phosphate, je mets à transport saharien. Bon, les camions, c'est les veines de l'économie. Si les camions marchent, tout marche. Ça fait 2 ans, Futons, l'infrastructure, c'est elle qui absorbe la majorité du volume vendu sur le marché. Donc, toutes marques confondues. Snack, kif, on continue sur les segments travaux publics essentiellement. Un peu de transport pétrolier, mais les secteurs ont le bâtiment, matériaux de construction, on a une baisse remarquable. Le BCB a été, je crois, absorbé par le domaine du travaux public. Pour vous, les DAO, elle est en train d'investir dans l'infrastructure, l'aménagement des routes, ce qui est normal.